J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera en action. Donc j'avais vu passer sur les groupes Facebook Action Addict et puis une action, une addiction, les pubs du 21 août. Et en fait, il y avait deux choses qui m'intéressaient particulièrement. Bon, bien sûr, hein, comme à chaque fois qu'on va à Action ou à Nose, tu prends un truc, deux trucs, trois trucs. En fait, ton caddie à la fin, il est plein. Il y avait pas mal de nouveautés en make-up un peu. Donc j'ai pris en photo parce que je les ai pas forcément pris. Voilà, donc je vous les ai quand même pris en photo, je vous les insérer dans la vidéo. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc la première chose, pourquoi j'y suis allée, c'est pour ces lampes comme ça. Vous savez qu'on peut coller au... Parce que moi j'ai une coiffeuse et en fait j'ai un grand miroir. Et du coup, je suis en train de l'installer correctement, ma coiffeuse. Et je cherchais des ampoules à coller. Et en fait, ça c'est une nouveauté et elles étaient en promo cette semaine-là. Je crois qu'elles sont à 3 euros, 3, 4 euros et là elles étaient à 2 euros. 50, quelque chose comme ça. Si je retrouve mon ticket de caisse, je vous mettrai les prix. Mais en tout, pour tout ce que j'ai pris, j'en ai eu pour 47 euros. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois déballé. Donc franchement, elle est super jolie. Vous avez donc les deux ventouses pour accrocher. Ça, c'est pour mettre les piles. Donc c'est des piles AA, bien sûr. Je n'ai pas de piles. Et ça, c'est le bouton pour l'allumer. Donc j'irai acheter des piles. Donc voilà, j'en ai pris deux comme ça. Ensuite, j'ai repris un pch-pch pour les vitres. Hein, pareil, donc c'était 99 centimes, donc ça c'est pareil, ça vaut le coup. Pour Nolan et Léa, parce que cette fois je leur ai rien pris, je leur ai dit hop, juste un petit paquet de bonbons pour changer. Donc, voilà, ils ont choisi ça. Ensuite, j'ai repris, si vous me suivez depuis longtemps ou si vous venez de me découvrir, bonjour. Ça c'est mes bougies préférées, franchement, les Airwick à la vanille. En plus, elles étaient en promo cette semaine. J'en ai pris qu'une parce que sinon Jonathan allait me dire encore oui, à chaque fois que tu vas à Action, tu prends 3-4 bougies, on est en été, nanana. Bon bref, sinon je me serais fait engueuler. Donc j'en ai pris qu'une comme ça, je me suis fait un peu moins rouspéter. Mais franchement, l'odeur elle est top déjà. À froid comme ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais à froid j'adore l'odeur. Et quand on la brûle, franchement ça sent super bien. Donc ces bougies-là, je vous les recommande. Ensuite, j'ai pris le détachant. Donc avant je le prenais, quand on allait faire nos courses à Leclerc, je prenais souvent un Leclerc. Et en fait j'ai découvert celui-là, il est à 2 euros et il est très bien, il fait parfaitement son job. Il me détache bien les vêtements, surtout les vêtements à Eléa parce que c'est elle qui fait le plus de tâches. Donc c'est très bien. Ensuite il me fallait du bicarbonate de soude. Donc du coup j'en ai trouvé à Action, je l'ai pris, ça c'est pareil, c'est 1,50 € quelque chose comme ça. Donc ça c'est top et vous avez 500 grammes. Ensuite j'ai pris trois petites serviettes comme ça. Donc c'est les toutes petites, vous savez, c'est des petites serviettes comme on trouve souvent dans les hôtels. Là, comment ça se présente. En plus, derrière, c'est marqué Hôtel Royal. Donc ça, c'est top quand vous vous lavez le visage juste pour vous l'essuyer. Donc j'en ai pris 3. Pareil, ça, les serviettes, c'était en promo cette semaine. Je crois que le lot de 3 était à 1,50 €. Donc là, ça vaut vraiment le coup. Le produit un peu Mangamour, hein, pour les toilettes, mais on en a besoin. Donc là, c'est de la marque Bref. J'en avais déjà pris, j'aime bien. Des fois, je les prends à Nose, des fois, je les prends à Action. Ça dépend ce que je trouve. Et ça, c'était 2 euros et quelques. Donc, pareil, ça vaut le coup. Ensuite. Hein? Voilà, deux chargeurs d'iPhone. Parce que, bon, hein, comme d'hab. Je passe là-dessus, hein, les chats. J'avoue, ils ne tiennent pas non plus longtemps. Mais bon, pour 1,50 €. On en rachètera. Et ensuite, je vous mettrai une petite photo parce que là, je ne les ai pas pris avec moi. Ils sont dans le salon. Et puis, comme les chats sont allés dessus, le chien s'est frotté dessus. Enfin, voilà, c'est pour vous montrer un truc plein de poils. Bon, bah voilà, c'est pas très top. Mais j'ai acheté deux poufs. Donc, je vous mettrai la petite photo là qui était en promo donc cette semaine. Et ils étaient à la base, je crois qu'Action les vendait 12 ou 13 euros. Et là, ils étaient à 8,90 €. Donc, j'en ai pris deux. Et ces mêmes poufs, alors si je dis pas de bêtises, étaient à Nose il y a peut-être quelques mois de ça, mais je vais dire 2-3 mois, et ils étaient à 17,90 € je crois à Nose. Donc voilà, et là ils sont cette semaine à 8,90 €, enfin moins de 9 euros. Et les trois derniers produits que j'ai pris, donc c'est de la même marque, c'est de la marque Snail Star. Donc voilà comment ça se présente. Je vous en avais déjà parlé dans un vieux 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 haul Action, enfin vieux haul Action c'est pas non plus des années, mais dans un haul Action. Et en fait c'est des produits à la base de bave d'escargot. Oh, c'était dur à dire quand même. Donc ça c'est le contour des yeux, j'ai fini le mien récemment, franchement déjà il m'a duré très longtemps. Bon après je mets pas toujours le même contour des yeux le matin et le soir, des fois j'inverse, enfin voilà, j'utilise pas forcément que le même, mais il m'a duré quand même pas mal de temps. Il est à moins de 2 euros et moi je le trouve très bien, il m'hydrate très bien le contour des yeux, franchement aucune réaction allergique, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai
repris deux sérums parce que ça, pendant un temps, on le retrouve. Enfin, cette marque-là, on ne la retrouvait plus. On retrouvait les crèmes pour le visage, les crèmes de nuit. Vous aviez aussi une lotion, un scrub pour le visage. Mais les sérums et le contour des yeux, moi, je ne les retrouvais pas. J'étais bien dégoûtée parce que le sérum, je l'ai adoré. Il a une texture un peu bizarre que j'aime beaucoup, mais je trouvais que mon visage, après, il était vraiment hydraté et il était top. Franchement, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous avez déjà testé cette marque, mais si vous l'avez testé, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc, si vous avez été action, qu'est-ce que vous avez acheté? Ou si vous avez testé déjà cette gamme-là, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bye!